J'ai rattrapé le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse. Plus je stresse, plus je m'enferme. Plus je m'enferme, plus je mute. Et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète. Il me manquait que la barbe, et ça, les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, pensent que pour réussir à faire un bon petit couscous, il faut être une femme et originaire du Maghreb. Faux. Prenez-moi l'exemple. Rien au départ ne me destinait à devenir un spécialiste en la matière. Je suis né là-bas, c'est vrai, mais dans l'équipe de joyeux spermatozoïdes dans laquelle j'ai réussi à faire une percée remarquable, j'étais dans le groupe des X et Y. Il était donc inscrit dans mes gènes que j'allais être orienté vers la catégorie des rouleurs de mécanique plutôt que vers celle des rouleuses de semoule. Alors, comment toute cette histoire a commencé? Je vous rassure, hein, c'est de la viande halal et cachère. Hein. Et les catholiques et les laïcs, je vous rassure aussi, la bête a été étourdie avant l'abattage. Hein. Elle n'a pas souffert. Pour qu'elle ne souffre pas, on lui a donné à fumer du hachis. Elle était très contente de mourir. Hein. Où est l'abattoir? Une étude internationale vous a décerné le titre de pire touriste du globe terrestre. Le monde entier vous reproche d'être râleur, radin, arrogant, impoli. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après Waterloo, c'est la Bérésina, ma parole. Heureusement que nous sommes là. Hein. Il vous reste plus que nous. On vous trouve bien, nous. On croit en vous, nous. Être français, c'est la classe. On veut tous être français. On veut la baguette, on veut le béret, on veut le 14 juillet et un passeport français pour voyager partout dans le monde. Comme ça, nous aussi, on peut être arrogant, impoli. Hé, casse-toi, pauvre con. Article 2, pour vous aider à retrouver le A que vous a fait perdre l'agence Standard & Poor's, nous vous donnerons le A de Algérie. Cadeau. Nous, on n'en a pas besoin. Et à chaque fois qu'on voit que le stress vous regagne, on vous apprendra, on vous initiera à l'un des piliers de notre philosophie de vie, le Mektoub. Si par exemple, vous êtes en chômage depuis 2 ans, vous allez à Pôle emploi et on vous annonce que vous n'avez plus de droits aux indemnités, vous dites juste Mektoub. Et ça va beaucoup mieux déjà. Le Mektoub relativise les catastrophes. Allez, on va faire un petit entraînement. Vous vous levez le matin et vous trouvez qu'on vous a coupé l'eau, le gaz, l'électricité. Vous allez peut-être gagner au loto la semaine prochaine. Mais non, là c'est Inch'Allah. Vous savez, chez nous, dernièrement, ils ont acheté 200 éoliennes et ils les ont installées dans un endroit où il n'y a pas de vent. Le jour de l'inauguration, la délégation ministérielle est arrivée avec le ministre de l'énergie en tête. Il y avait les ingénieurs et le peuple qui attendaient avec les ciseaux, etc. Une fois arrivé, mais, il dit aux ingénieurs, mais comment ça se fait? Mais elle ne tourne pas! Et les ingénieurs, eh ben oui, monsieur le ministre, eh bien, on vous l'avait déjà dit, c'est une région où il n'y a pas de vent, c'est normal. Mais il faut les faire marcher avec l'électricité! En ouvrant le journal parisien de la région du coin, aujourd'hui, je suis tombé tout à fait par hasard sur la rubrique carnet, naissance et décès au mois de janvier et février. Sa lecture m'a interpellé, je vous en fais part. Alors, dans la région d'Aulnay-sous-Bois et autour, au mois de janvier, les naissances, Nabila Ayeshi, Sissou Kumbala, Kader Shahad, Najid Arouj, Nabila Arfaoui, Jamila Arbadji, Kouchkou Cheglayan, Dialoumbou, Yasmine Belboul. Les décès, Mathilde de la Forêt. Jacques Seguin, Dominique Bruyère, Raymond Courtois, Chantal Duroc, Émile Poltard,
mois de février, Nordin Mataoui, Samir Boudjadja, Mamadou Sangaré, Nguyen Daifong, les décès, Josiane Mercadier, Jean-Paul, arrêtez de mourir. Vous entrez chez Mouloud, Mouloud est au téléphone. Il est toujours au téléphone. Willy, 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 Wacha, 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 tu dis non. Il palabre avec un cousin d'Agadir qui lui demande de l'aider à venir s'installer en France. Mais qu'est-ce qu'il vient faire en France? Qu'est-ce qu'il vient faire en France? La France est complète maintenant. La France est très violente. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a trop d'Arabes. Il y a trop de Français en France. Non. Reste là-bas. Reste là-bas. Tu sais, il y a un chanteur français qui s'appelait Richard Aznavour. Il a dit, la misère, il est plus joli au soleil. Maintenant, tu vas au rayon alcoolique. Après, tu vas au rayon charcuterie. Le rayon charcuterie. Le rayon charcuterie chez l'Arabe du coin. Mais j'ai jamais pensé à ça. Mais normalement, il n'a pas le droit. Normalement, sa religion est lui interdite. Oh, remarque, pourquoi pas? Il y a bien un rayon halal chez Leclerc. Pourquoi il n'y aurait pas un rayon mécréant chez Mouloud? Bon ben voilà, ce cooking show est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car le couscous est un plat qui se mange de bouche à oreille. Et la prochaine fois, s'il est écrit, Inch'Allah, que nous nous reverrons ici-bas, je vous apprendrai à réaliser un bon tagine moléculaire.